Newsitive s'est rendu au Salon du Livre le week-end dernier pour récolter des informations sur les lectures de quelques personnalités. Peut-être que ça vous donnera une idée de livre à lire pour cet été. Bonne nouvelle, non ? Quel livre vous recommanderiez sur la plage cet été ? Sur la plage. Sur la plage. J'irai cracher sur vos tombes. Le dernier livre que j'ai lu, je suis à cheval sur les deux, j'ai lu Lemonov de Carrère et L'Impétueux de Catherine Ney. Et puis surtout Congo d'Éric Vuillard. Est-ce qu'il y a un livre que vous recommandez en particulier aux gens ? Congo d'Éric Vuillard, c'est un très grand auteur. Il est très discret, on ne le voit jamais, et il fait des livres remarquables. Mais j'aime bien Catherine Ney, évidemment, j'aime bien les livres politiques. Et puis le Lemonov, c'est formidable. L'Homme qui rit, de Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que c'est un livre absolument d'une modernité. D'abord, ça n'a eu aucun succès du vivant de Victor Hugo, parce que c'était d'une modernité absolument extraordinaire pour son temps. Voilà. C'est un livre extrêmement étrange, qui même serait très moderne, même pour aujourd'hui.